Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire la présentation de l'oracle des dragons célestes. Donc, pour en faire l'acquisition, il faut passer par mon amie Maria Ange, archange d'amour. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une création de son frère. Mais pour en faire la commande, voilà, il faut passer par elle. D'ailleurs, je tiens à remercier Maria et son frère pour ce joli cadeau. Ce jeu est juste magnifique. Donc, je vous montre le derrière. Oui, c'est bien, c'est celui-ci. Oui, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, voici les cartes. Donc, il y a un petit PDF qui va avec. Mais vous allez voir que les cartes, sincèrement, elles parlent d'elles-mêmes. Voilà. Je vous tirerai une carte sans problème. Je l'adore ce jeu, mais vraiment c'est un gros 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 coup de cœur. Autant par les dessins, je sais pas. Il y a des fois on ne s'explique pas des coups de cœur. Comme quoi, vous voyez, quand c'est fait main, bah, je trouve que parfois c'est plus touchant qu'un jeu qui est parfait. Voilà, moi j'aime les imperfections dans le style. Quand je dis imperfection, attention, je ne dis pas que le jeu est imparfait. Je dis que voilà, le fait que ça soit écrit à la main, c'est pas écrit à l'ordinateur ou par une machine, je trouve ça superbe, mais vraiment. Allez, on regarde les cartes et après je vous tire quelques cartes. Voilà pour la présentation des cartes. Je vais les mélanger parce qu'en fait elles étaient un peu mélangées, mais pas entièrement. Et on va juste voir les énergies à venir. Je sais que à l'heure actuelle il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport au virus. Voilà, il faut s'entraider, hein. Si on ne peut pas le faire de visuel, enfin je veux dire qu'on ne peut pas approcher les gens, le soutien même par internet est quelque chose de très important. En plus on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir le moyen d'appeler nos familles avec les caméras, donc ça c'est génial. Ce que je vais faire, je vais remélanger à chaque fois, comme ça je suis sûre.
Donc là, c'est pas un tirage par rapport à la maladie, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, je vous montre. Voilà. Je remets de ce côté pour pouvoir voir. Donc là, on nous parle de la naissance. Pour moi, c'est pas la naissance d'un enfant, c'est la naissance de sentiments, puisqu'on a la rencontre amoureuse qui est juste ici. Donc il y a la naissance de liens peut-être avec une personne, peut-être la naissance d'une relation qui est en train de se mettre en place et qui justement va vous amener à faire des choix. Pourquoi ? Peut-être que vous n'êtes pas seul. Pour moi, peut-être que vous pouvez être déjà en couple, que votre cœur n'est pas disponible, ou que ça soit l'inverse pour la personne que vous avez rencontrée, et peut-être pour qui vous avez un coup de cœur. Parce que voilà, on parle bien de la rencontre amoureuse. Donc voilà, le choix va devoir se faire. Peut-être que si votre cœur bat pour une personne avec qui vous avez une relation, le choix, peut-être que vous n'êtes pas seul, ça sera de choisir est-ce que vous allez dans cette relation ou est-ce que vous y mettez un terme ou même pas un commencement parce que votre cœur est déjà pris. On va peut-être tirer une autre carte. On va regarder. Ah bah, ok, elle est sortie. Donc lune obscure, on peut se dire que voilà, c'est peut-être pas une relation qui sera sous de bon augure. Alors, ouais, c'est ça, parce qu'on a la séparation, la longue séparation. Donc la longue séparation, vu qu'on est dans la relation de la rencontre avec les choix, on va pas dire que c'est la... on pourrait dire exactement. Par exemple, que votre conjoint ou vous, vous allez partir un long moment. Bon, ça peut être ça, dans le sens où vous, vous allez vouloir prendre votre décision et vous allez mettre une séparation avec la personne, soit de cette rencontre, soit la personne si vous, votre cœur est déjà pris, pour peut-être réfléchir. Mais on vous dit que voilà, il y aura quand même la lune obscure. Donc, j'ai pas la signification parce que j'ai pas le PDF sous les yeux, mais moi je vais l'interpréter comme ça, c'est que voilà, ça va être une période sombre pour vous, bah parce que c'est pas évident de faire des choix quand on est en couple et qu'on rencontre quelqu'un et que bah, le cœur s'emballe, c'est pas évident. Dernière carte. Voilà. Donc on vous dit de faire attention parce que dans cette relation, on a une personne qui est toxique. Alors, est-ce que c'est la personne qui est dans votre vie actuellement? Est-ce que c'est la personne que vous allez rencontrer? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Ça se fera au moment où il y aura cette rencontre. Voilà. Peut-être que, voilà, si on pourrait partir de ce principe-là en se disant que si il y a la naissance d'un amour ou d'une relation, ça veut dire que dans la relation, si on est déjà pris, que quelque chose ne fonctionne pas, d'où peut-être la personne toxique, peut-être que cette personne qui est avec vous, ou alors la personne que vous avez rencontrée avec quelqu'un qui est toxique dans sa vie, et que cette personne, en fait, le seul moyen de se libérer de cette personne est de se donner surtout la force de partir, parce que vous avez des gens qui sont capables de rester avec des personnes, même si elles sont toxiques, parce qu'elles n'ont pas la force de partir, et la force de partir, la plupart du temps, c'est quand on rencontre quelqu'un. C'est ça qui nous donne la motivation et le courage de dire, cette fois-ci, je prends ma décision, puisqu'on a les choix. Il y a la séparation longue, la lune obscure, et voilà, on passe à autre chose et on s'investit dans la relation ou non. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette rencontre, elle est quand même basée sur des choix et sur une période qui va être difficile pour vous. Ça ne sera pas une relation qui sera facile. Donc après, c'est vous, suivant vos choix. J'aurais bien quand même une dernière carte pour voir ce qu'il en sort de cette relation. Bon, ben voilà, c'est bien ça. Donc en fait, soit vous, soit la personne que vous rencontrez qui n'est pas seule, c'est pour ça qu'on parlait de personnes toxiques, on vous dit que quelque chose de mieux vous attend. Donc voilà, si vous êtes en couple actuellement, que vous avez rencontré quelqu'un, bah c'est ça votre destin. C'est quelque chose de mieux vous attend par rapport à votre vie actuelle, tout simplement. Bah voilà, je pense que c'est un super beau tirage. Ces cartes, elles sont magnifiques, mais vraiment, j'adore. En plus, j'adore l'effet aquarelle. Je trouve ça trop, trop beau, mais vraiment. Donc, n'hésitez pas à contacter Archange Maria Ange d'Amour. Maria, hein, tout le monde la connaît, je pense, pour lui demander les modalités pour la commande du jeu.
parce que sincèrement, vous ne le regretterez pas. Et vous avez, comme je vous ai expliqué, un PDF. Si vous voulez, dans la semaine, je referai un tirage. Je ne laisserai pas mon intuition guider avec les cartes. Je vous donnerai un tirage avec le PDF. Comme ça, vous verrez et vous pourrez faire la différence. Voilà, bah, écoutez, c'était tout. Je voulais surtout présenter le jeu et puis bah, vous faire un petit tirage pour vous montrer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!